Produit de première nécessité composé de cartons de volaille, du riz, du savon, d'huile, des ballots de vêtements et bien d'autres, que l'équipe de l'inspection municipale de la mairie de Libreville, conduite par la directrice générale de la santé, posait un acte de solidarité à l'hôpital psychiatrique des Mélènes afin de venir en aide à cette institution qui s'occupe favorablement de nos compatriotes souffrant de la pathologie mentale. Écoutez, dans les prochains jours, vous serez clairement, parce qu'à chaque fois qu'il est question de mener une action, vous êtes toujours associé, donc il vous sera tenu informé des prochaines actions. Mais retenez que dans le cadre de la sensibilisation au Covid, à partir de lundi, nous avons donc la deuxième phase au niveau de la mairie qui commence avec notamment les tests, si vous voulez. Ce don vient à point nommé car ils étaient déjà en rupture de stock selon le directeur de l'hôpital. Il n'a pas manqué de faire un appel d'offres aux personnes de bonne volonté. Un sentiment de satisfaction. Nous sommes très heureux pour nos malades qui seront très bien nourris ce midi. Et nous appelons toujours de bonne volonté pour venir au secours de nos concitoyens qui souffrent de la pathologie mentale. Des actes de solidarité qui doivent se pérenniser dans ce centre psychiatrique pour le bien-être de nos concitoyens souffrant de la maladie mentale. Dans le cadre de la COVID-19, il faut retenir qu'une campagne de sensibilisation et de dépistage sera lancée le 8 février prochain au personnel de la mairie centrale de la capitale gabonaise à l'hôtel de ville.